Aujourd'hui, je teste pour vous le Snow Foam de chez Sonax. Que vaut-il? On va le tester ensemble et on va voir le résultat. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un canon à mousse, d'effectuer une dilution en 1 pour 10. Allez, c'est parti, suis-moi, je te montre comment on fait. On va utiliser notre canon à mousse avec notre dilution en 1 pour 10. Hop, c'est parti, voyons voir ce que ça donne. Si tu te rends compte que ta mousse est beaucoup trop épaisse, elle sert à rien. Une mousse active, idéale, faut qu'elle coule. Donc n'hésite surtout pas à régler ton canon à mousse et à baisser l'entrée d'air. Voilà, comme tu peux le constater, juste là, la mousse coule. Donc là, on a le bon ratio de dilution. On va laisser agir pendant 3 à 4 minutes et ensuite, on viendra rincer le véhicule et voir les effets s'il a supprimé la cire qu'il y avait sur ce côté-là. Pendant que ta mousse active est en train de travailler, n'hésite surtout pas à faire les petits recoins de ton véhicule à l'aide d'un pinceau. Tu pourras venir enlever toutes les impuretés qui traînent dans les coins. Allez, 5 minutes plus tard, c'est parti, on y va, on va rincer. Petite astuce, fais toujours attention avec ton pistolet court. Le premier jet, tu le mets toujours vers le sol. Pour le rinçage de la mousse, on va y aller de haut en bas. Et voilà, comme tu as pu constater, l'Active Foam Energy de chez Sonax fait une excellente mousse. Ça reste un très bon produit. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux d'autres astuces, abonne-toi. À bientôt pour de nouvelles aventures.